Bonjour, bienvenue à notre épisode 10 de Pompon Laine Café. On se présente, moi c'est Geneviève. Moi c'est Zoé. On commence avec un segment qui est peut-être prévisible aujourd'hui. Je sais pas. Notre segment pareil pas pareil. J'ai terminé cet été le sun, ben c'est le même chandail qu'on porte, le Sun Glimpse, on le crie en bas, de Anna et Heidi Pickles. Je pense que c'est comme ça que ça apparaît sur Ravelry. Ouais. Pickles, mais ouais. Anna et Heidi Pickles. Puis eux, c'était fait en bambou de Pickles, parce que Pickles, c'est une marque de fil. Je sais plus si c'est danois ou suédois. Je pense que c'est danois. Oui, ouais, c'est la période des mouches. Puis Zoé et moi, on l'a fait dans le même fil. Ouais. Peux-tu dire c'était quoi? C'était, ouais, c'est une punk, ça. c'est Louis Harding. Oui. Ouais. Mais là, le nom, je pense que c'était Mulberry Silk. Ouais, Mulberry Silk, c'est en plein ça. Qui est un 100% soie, mais vraiment rond, parce que je sais pas combien de brins, mais vraiment beaucoup, tu sais, quand ouais, on le faisait. Ouais, tu piques pas dans le brin. Non. Non, non, il est rond, 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 puis c'est le fun, parce que ça fait qu'il mousse pas vraiment. Moi, je l'ai vraiment porté beaucoup. Ouais. Il commence à avoir des petits brins qui relèvent, puis à avoir l'air un peu moins frais, là, mais je l'ai mis beaucoup, beaucoup. C'est son deuxième été. Troisième été, c'est ça? Oui, parce que tu l'as mis, tu l'as fait quand on est allé à Compton il y a trois ans, je pense. Mm-hmm. Dans une aiguille, comme une aiguille dans une botte de foin. Mm-hmm. C'est pas un fil qu'on. En fait, c'est un fil qui est discontinué, je suis pas mal certaine. Ouais, on a comme pris les fins. Ouais. Couleurs, en fait, c'est sûr que c'est discontinué parce que Louisa Harding, elle a parti sa propre compagnie, mais avant, elle travaillait avec Knitting Fever. Ouais. Knitting Fever, elle avait comme une. Mais il y en a encore. Ben, on l'a reçu. Oui, mais c'est plus elle. Ah, ils ont peut-être gardé le nom. Je me souviens plus. En tout cas, notre fond de sang, vous avez expliqué ça. Mais ce fil-là, je pense qu'il n'existe peut-être plus. Je ne sais pas c'est quoi. Ouais. Un brin ou un poil de chien. C'est Hubert. Ouais, c'est ça. c'est ça. Zoé l'avait fait il y a plusieurs années. Puis là, ma soeur l'avait copié tout de suite après. Ma soeur qui tricote pas vraiment souvent, mais quand c'était mise au tricot, elle était vraiment elle bonne. Elle l'a fait en bambou, elle l'avait fait en... Christine aussi. Cire d'or, baby bamboo, puis Christine aussi. Fait que là, puis moi, je l'ai faite dans le fil que j'avais défait. J'avais fait un châle là-dedans que j'avais détricoté. Mm-hmm. Puis pour faire finalement, puis je me suis dit, oh, je vais bien plus, je l'aime ce fil-là, je vais bien plus le porter en chandail. Je voyais comment que c'est le radio, il était resté beau. Fait que là, on est quatre amis. Quand même. Et famille à l'avoir. Hey, on aurait pu intégrer Christine dans le pas pareil. Christine, à chaque fois, c'était notre troisième partenaire de pompon. Ouais. Voilà, ça c'était notre pareil, pas pareil. Je finis toujours en disant voilà. C'est le fun quand je fais le montage après. Je suis comme je vais couper avant ou après le voilà pour qu'il n'y en ait pas six. Quand même. On peut faire un petit retour sur Twist? Oui, donc le retour de Twist. Ça a pris un peu plus de temps là, avant de filmer notre épisode. Mais je pense qu'à chaque année on dit ça. Ah oui? Ben, en tout cas, c'est tout le temps bien intense quand on revient là. Ouais. Rentrée scolaire pour soit les enfants, soit les. Ben, sinon, après ça, ben quand là, cette année, c'était particulièrement du travail quand on est revenu parce que là, il fallait remettre à jour le site web parce qu'on avait comme eu un petit problème, en tout cas, à amener quelque chose qui fonctionnait, ouais, puis qui gérait l'inventaire en ligne en même temps. Fait qu'on avait comme pris un petit risque de « on verra ce que ça donne ». Finalement, quand on savait est qu'il fallait qu'on se compte en revenant. Oui, mais là, là-bas, en tout cas... Oui, oui, on le savait qu'il fallait qu'on se compte. Fait que là, bref, quand on est revenu, ça a été vraiment intense parce qu'on a tout reconté en replaçant, en recevant des boîtes. Puis cette année, on avait eu un peu de problème avec l'allée, là, l'espace. Ça avait été toute une péripétie juste pour mettre le stock dans un camion. Fait que c'était dans trois autos différentes. Fait que quand on est revenu, ben à chaque jour, on recevait une voiture de plus de laine. En tout cas, bref. On a des super amis et clientes qui nous ont aidés à amener puis ramener du stock. Fait qu'on les remercie. Merci, ils nous écoutent. Mais non, parce que, en tout cas, j'aurais pleuré. Puis après ça, on avait Gabrielle qui nous a beaucoup aidés aussi, qui a passé. Vous l'avez peut-être vu dans Gabrielle Trottier de son podcast, Philippe Fleur. Ouais. Elle a filmé la semaine dernière, je pense. Oui. Puis elle a passé la fin de semaine avec nous. Oui, c'est ça. C'était notre helper à titrer. Puis on était vraiment contentes de l'avoir, un, parce qu'elle était comme super dégourdie puis efficace. Puis aussi parce qu'elle est passionnée de tricot. Elle connaît bien les fibres, les poids, les couleurs. Elle est super bonne avec les couleurs. Fait
était vraiment... Ouais, puis je pense qu'il y a bien du monde qui était contente de l'avoir aussi dans notre kiosque. C'est le fun. Mais tu sais, elle était vraiment bonne pour aider les gens, fait qu'on avait comme pas besoin d'être là, puis on pouvait aider d'autres mondes en même temps ou faire de la caisse. On a notre amie Geneviève qui nous a aidé avec la caisse. En tout cas, c'était vraiment merveilleux. C'était notre première année avec un double kiosque, c'était vraiment le fun. Ouais, il y avait de l'espace pour circuler. Ouais, de l'espace pour monter, de l'espace pour circuler. Puis on voulait dire merci à tous les gens qui sont venus nous saluer, on l'apprécie, c'est vraiment gentil. Ah, vraiment. C'était on était vraiment impressionnés par le fait que les gens ils viennent nous voir puis nous disent comme « Allô! On vous connaît, on vous connaît mais vous ne connaissez pas! » Puis les gens étaient tout sourire puis agréable. Fait que tu sais, c'était un beau contact, c'était super le fun de vivre ça. Ouais. Ça a été notre année la plus facile, même si c'est tout le temps beaucoup de travail. C'est ça, moi, la semaine après, les gens sont comme « Pitouit! » J'ai comme de la misère à être vraiment enthousiaste, mais là, tu vois, on en reparle, c'était vraiment le fun. Moi, ça me dérangerait pas que ça change de semaine, mais ça arrivera pas. Là, le lendemain, mes étudiants rentrent en classe, vu que je suis au collégial, puis fait que je reviens le dimanche soir à 10h, puis le lendemain, j'étais en classe, puis je suis vraiment buzzée. Ouais, là, c'est fait que... Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, pour l'instant, on n'allait pas non plus au festival de la petite laine, mais on y songe pour les prochaines années. Cette année, on sera pas là, on va y aller en visiteuse, Zoé et moi, sûrement. Ouais. Avec d'autres amis, probablement. Puis on a des clientes de la boutique qui vont en autobus. Ça va être le fun, ça va être des contrats. Oui. On va aimer ça, en fait, aller en profiter comme ça avant de se mettre à s'engager là-dedans. Ouais. Puis ça nous tente, c'est juste que c'est ça. Ça reste que c'est pendant notre grosse saison, pendant les cours aussi. Fait que, en tout cas, on va tout jongler avec ça. C'est ça. La logistique de plus, mais ça se fait. Tout se fait. On peut peut-être montrer très rapidement des choses qu'on a ramenées. On n'a pas ramené tant de stock que ça de Twist, mais on en profite toujours pour ramener des choses pour nos clientes qui ne vivent pas l'expérience. Ou même qui vivent l'expérience, mais qui sont contentes de voir du nouveau stock apparaître sur nos tablettes après, ouais, fait que c'est le fun. On a ramené des fils de Chani de Bleu Poussière, puis de Paul de Urso. Donc les deux avaient des kiosques, fait qu'à la fin, on passe toujours chercher des trucs pour la boutique. Oui. Ça vient compléter un peu nos collections. On en voit un peu derrière nous, puis vous pourrez regarder sur notre site internet si vous voulez voir les couleurs qu'on a. Donc ce qu'on a ramené, c'est la Richard de Rees, qui est son fil Pepino. Pino. C'est ça, lui, dans le fond, ce qu'on aime particulièrement, même si on aime tout, là, le fil est vraiment beau à cause du high twist, mais ces speckles qui sont vraiment particuliers sont vraiment petits, tout petits, puis il y en a des milliers là, dans un petit écheveau, c'est des 65 grammes. Ils sont vraiment, vraiment beaux, puis c'est ça, il y en a, mettons, là, qui s'appellent... Bon, je sais pas, il y en a un qui s'appelle... Ah, ça! C'est pas mes couleurs, mais c'est pas grave, je trippe. Ouais, this makes the cake. Puis dans le fond, moi, c'est vraiment à ça qui me font penser, là. C'est des petits bonbons là, qu'on met sur les crèmes glacées ou sur les... Même en même temps, il y a des couleurs aussi très attirées. Oui, mais le format, il fait saupoudré, là. Ouais. C'est vraiment beau. Ouais, ils sont vraiment belles. Excellent. Fait que c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a ramené, puis on est vraiment contentes. On va continuer de le tenir, là. Il y a des choses qu'on ramenait de Twist... sans pouvoir nécessairement après continuer de commander puis que c'était juste des on les a là maintenant mais après ça c'est tout, mais là ça on va continuer d'en tenir régulièrement, on l'aime vraiment. Ouais, puis vraiment sympathique aussi. Ah, il est adorable. Richard. Ouais, c'était vraiment chouette aussi de le rencontrer, c'était vraiment le fun. Donc pour nos projets finis, ouais c'est ça, moi c'est toutes des choses que... Ben là, d'été, puis là je suis moins dans les tricots d'été, maintenant j'ai commencé mes tricots d'automne, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. T'as fait beaucoup de beaux projets d'été. Oui, cette année que je vais avoir le goût de mettre, c'est le fun. Il y a des années que j'en fais. Ah, j'ai la camisole aussi, mais elle, je suis pas convaincue. Il faut que je raccourcisse des affaires et tout. En tout cas, je vais la montrer, mais qu'elle est là. Ouais, fait que j'avais commencé le chandail Ella Solo, que vous avez vu parce que Gabrielle l'a montré. Ouais, c'est pas vrai, elle l'a montré avant toi. C'est vraiment pas vrai. Ouais, que j'avais fait avec un lin qu'on tient plus, qui était le Punta Yarn Montoya Beach. Ouais. Mais on a reçu des lins qui sont vraiment beaux, que là, je m'en retiens vraiment fort pour pas m'en refaire un tout de suite. J'aimerais ça l'avoir en noir. Ouais, moi c'est sûr, je vous copie puis j'en fais un. Regardez ça, comment c'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Puis la dentelle est vraiment chouette. Fait que c'est ça, lui c'était un chandail, mais je n'avais parlé, là, mais qui était fait en alpaga, en gros fil. C'est genre du worsted, mais que j'avais vu la designer s'en faire un, puis là j'avais décidé de copier. Mais je l'ai porté depuis que je l'ai fait, puis je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Attends, le patron, il est-tu fait pour un échantillon fingering ou sport? Non. Moi, j'ai fait le genre médium ou large. Ah, ok. Je savais pas. Mais en fait, c'est que ce lin-là.
Ouais, il est classé worsted. Ouais, UK c'est faux. Worsted. C'est faux. Je sais. En tout cas, fait qu'au début, je me disais que j'étais sur le bon échantillon, avec le bon fil, puis là, c'est en le faisant que j'étais là, hey boy, non, là, ça marche pas. Ah, fait que t'avais recommencé. Ben, ma dentelle, je l'ai faite avec un peu plus gros. J'avais redescendu d'aiguille en voyant que ça avait pas de bon sens. Ma dentelle, je l'ai fait, mettons, sur, je sais pas, là, 3.75. Puis quand j'ai fini ma dentelle, là, je voyais que ça... 3.25, je pense, que j'étais allée. On me disait, on le verra pas, même s'il y a une ligne après la dentelle, ça paraîtra pas vraiment parce que ça va être comme en lignée. Ben non, c'est finalement, on le voit pas. Mais tu sais, 0.25, 0.5, on le verra pas. En tout cas, ben, je l'aime vraiment beaucoup, puis c'est la première fois que je me fais un chandail en coton ou en lin, en tout cas que je peux rien mettre en dessous, puis qui est assez opaque. Là. Oui. D'habitude, je suis tout le temps tellement diaphragme. diaphragme que finalement je suis tout le temps poignée pour avoir de quoi en dessous puis j'ai chaud pareil. Faut pas vous penser qu'on mélange diaphragme puis diaphragme. Non. C'est un running gag qu'on adore les gens qui disent pas le bon mot. Ouais, puis on en a une coupe en bande. On a comme on a comme un livre quasiment de fois où on a entendu des ouais. Comme ouais. Moi il y a quelqu'un à la direction d'un collège qui avait dit qui faisait ça. Excusez, c'est mon préféré. Qui répondait a cappella au lieu de genre à brûle pour point. Oui, c'est ça le mot, on l'a cherché, c'est à brûle pour point. A cappella. Il n'y avait pas full band. C'est quand même plate de pas répondre full band. Peut-être que ça tu trouves pas ça drôle, nous autres c'est comme nos blagues préférées. Ouais, vas-y. Moi, j'ai fini le... J'ai commencé et fini après le podcast. Ça, c'est quand même cool. Quand même. Le Charles de Camille, qui sortait à Twist. C'était une collaboration qu'on a faite avec Camille Descoteaux. Elle était venue ici au printemps dernier ou fin d'hiver. Puis elle avait choisi des fils pour faire un projet avec nous dans le cadre de Twist X, qui était l'idée de d'associer des designers à... Boutiques, teinturiers... Ouais, exposants, en fait, à Twist. C'est ça. Puis nous, elle nous avait choisi, puis elle avait choisi ses fils. Elle avait choisi plusieurs options, là, puis ce qu'elle a fait finalement... Elle avait pris plein. Ouais. Donc, c'était deux écheveaux de Patagonia, avec un écheveau de Rainbow Beach. Puis le char qu'elle a fait, il s'appelle Axel. Elle l'avait fait en charcoal très foncé avec le rose yellow. Si tu veux. Là. Alors moi, je l'ai faite en beige. C'est lui, hein? Oui, c'est lui. Avec la couleur qui est celle-ci. Non, en fait, c'est le même mix que je vous ai montré, là, ça. Ouais, Camille, c'était ça. Ouais, puis malheureusement, on a juste un écheveau de ça, puis évidemment, ils nous l'ont pas envoyé dans notre commande, hein, c'est tout le temps comme ça. Non, mais on l'a pas reçu. En tout cas, on va en avoir. Non, mais c'est ça, ils nous l'ont pas envoyé quand on a commandé. Ah oui, pour là-bas. Mais pour ici non plus. Mais ici, on l'a pas reçu. On a pas reçu de Patagonia? Non, on a reçu genre... Je pensais qu'on l'avait reçu. Pour ça. OK, désolée. Donc, c'est ça, la façon dont Charles est construit, vous le voyez peut-être, il part d'ici, puis après ça, on augmente. À un moment donné, on arrête d'augmenter. Après ça, on relève, puis on fait ce qu'elle appelle les wings, là, les deux ailes. Vous l'avez sûrement vu si vous écoutez son podcast, parce qu'elle l'avait bien présenté. C'est vraiment beau, la texture. Ça n'a rien à voir avant et après. Là, une fois bloqué, il est tellement drapé. Je vais le mettre. Ça fait beau, je pense, avec mon chandail vert. Ouais, ça marche. Fait que... Ouais, c'est très beau. Il est grand, mais il n'est pas si immense que ça. Ah, faut dire que moi, avec disclaimer ou warning, j'ai écrit à Camille pour lui dire, mais je suis sûre que c'est à cause de ma tension. Ouais. Je tricote très, 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 très lâche. Fait que même... Puis j'ai pris les mêmes aiguilles qu'elle, les 3.5, mais j'aurais pas voulu aller sur plus petit parce que j'aurais trouvé ça trop chiant de tricoter la Patagonia sur plus petit. Ouais, c'est vraiment beau. Mais j'ai pas pu faire la dernière. En fait, j'ai une section que j'ai pas faite, une répétition comme ça ici. Mais ça changeait pas grand chose parce que quand on relève les mailles et qu'on fait des rangs raccourcis, on fait juste comme aller manger toutes les mailles. Puis ça. On a reçu deux nouvelles couleurs de Rainbow Beach. Ouais, c'est la Patagonia. Non, mais je me disais, c'est beau ça. Et c'est tellement fun de faire des mix pour ça. Il y a tellement de possibilités. Tu sais, quelqu'un qui voudrait que je fasse. Non, mais je dis, on a reçu ces deux nouvelles couleurs. Oui, mais là, moi, je trippe. J'ai toutes les kits dans les mains. J'aime ça. Ok, fais tes kits. Non, mais parce qu'il y a plein de possibilités. On en avait vraiment fait beaucoup pour Twist. On avait eu du plaisir à les monter, entre autres Kim. Qui nous aide aussi à la boutique, elle avait fait les kits, puis c'était vraiment le fun. Fait que là, sur la table, c'était beau, il y avait plein de choix de couleurs possibles. Ouais, plus froid, plus chaud, des bleus, des jaunes, des bruns. On va peut-être en remettre là, sur le site, des kits déjà, si les gens veulent. Est-ce que je pourrais faire sinon, c'est faire des photos, puis vous écrire les numéros de couleurs, comme ça, quand vous allez dans la boutique en ligne, vous pouvez aller les chercher. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre les kits, mais en tout cas, un ou l'autre, ça fonctionne. On va penser à ça.
Mais c'est vraiment le fun. Ouais, on aimait beaucoup celle-là. Ouais. Ça, c'est le même brun que Zoé a mis dans son manteau East Wind. Ça s'en vient, ça s'en vient. Qui est en train de continuer. Mais là, c'est ça que j'ai fait. Il est vraiment beau, il y a tellement d'immense dedans. Ouais, vraiment. Ouais, mon autre projet terminé, c'est le Ranunculus. Ça aussi, je l'avais montré, puis là, il a été suspendu sur le rond de la rampe d'escalier. Je suis vraiment fâchée, il y a comme une bulle. Hey, qu'est-ce que tu as bloqué? C'est pas le fil. Je pensais qu'il était attaché. Ouais, donc le Ranunculus que j'avais fait en 4 tiers, fait que là, en ruban de coton. Tahiti, ouais, qui est assez gros, là, que je l'ai tricoté. Mais j'ai gardé les 7 mm, genre. Je pense que c'est ça que le patron demande. 6,5, parce que tu. Ouais, en tout cas, j'ai comme gardé le patron, je pense. J'ai pas vraiment touché à ça. Puis là, lui, c'est ça, je m'étais trompée, j'avais séparé mes manches. Comme en diagonale de mes rangs raccourcis. Oui. Fait que là, ça, mon encolure, elle devenait vraiment désaxée. Fait que celle-là, c'est ça. Ce que j'ai eu à refaire pour celui-là, c'est que j'ai repassé mon aiguille en haut des dernières augmentations avant les rangs raccourcis. J'ai coupé, j'ai repris les mailles, puis j'ai refait des rangs raccourcis comme à l'inverse, puis j'ai terminé par l'encolure. Puis ça va en plus parce que j'ai fermé plus serré. Ça, il devient moins grand que l'ouverture qui, elle, prend. Moi, j'aime ça avec le col et tout. Moi aussi. Fait que finalement, je l'aime vraiment beaucoup. Mm. Je l'aime vraiment. Je vais le mettre beaucoup, je suis sûre. C'est le genre de choses que je dis à des clientes des fois qui. Tu sais, je parlais à ma collègue au travail qui a fait le. C'est passé. Le Humulus, là. Oui. Le col, son col, il était comme trop évasé. Puis j'ai dit, viens nous voir, on va te montrer à partir d'une aiguille, couper, refaire. Les gens, des fois, ils ont peur de faire ça. Mais même que si souvent... tu le mets pas, ça va tellement gagner ou juste projeter. Ouais. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un montage provisoire ou un montage ordinaire. En bas des cordes, on part le chandail, puis à la fin, on relève les mains pour faire les cordes. Ça fait que ça nous permet vraiment de venir faire l'encolure. Moi, quand j'ai un doute, la bonne... en regardant la photo, je fais ça. Oui, vraiment. C'est ça, on aime ça quand c'est prêt du coup. Mon autre projet fini, c'était mon chandail que je vous ai montré tantôt, le Sun Glimpse. J'arrête pas de le voir, le petit. Mais ça se peut, je me demande si j'ai pas tricoté du poil à Hubert. Puis là, il est vraiment inséré. Oui, on peut pas l'enlever. Il y a ce picot noir. C'est quand même cute, ça me fait penser à mon gros chien. Oui. On va être rendu à parler de nos projets en cours. Oui. Vas-y. Ouais, ok. J'en ai pas amené beaucoup. En fait, cet été, j'ai fini vraiment beaucoup de projets. Qui était commencé, ça fait très longtemps que j'ai pas parti un nouveau projet. La seule chose que j'ai montée, je pense, de tout l'été, c'est ça. Oui, puis c'est dans le kiosque de Twist, là. Oui, en partant. C'est là-bas. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'avais parti au printemps dernier. C'est le Birds of a Feather. Ah, évidemment, je suis en plein milieu d'un rang, c'est pas fun. Ça, c'est l'endroit. C'est beau. Il va être beau, je l'aime. Il est très doux, là, dans le couloir. Mais c'est vraiment beau. Le mort, il est fantastiquement beau. Là, c'est un cadeau que Zoé m'avait fait. Elle l'avait ramené d'Irlande. Je ne me souviens pas du nom. Ouais, je sais pas. Il y avait une sirène sur les bois. Il me semble. Je sais pas, vous verrez peut-être pas. Là. C'est magnifique. Là. C'est comme un genre de beige un peu rosé. Puis il y a des speckles de rose mauve, jaune, bleu, jaune bourgogne. Des fois, je peigne vraiment des petits bouts colorés. C'est vrai que c'est beau. Puis j'avais dans mon stage, dans mon entrepôt de laine. c'est assez réaliste. Oui, j'avais de la Lichen and Lace Pressed Flowers que j'avais acheté dans le temps à la maison tricotée avant que nous on en ait. C'était une millionième tentative de faire un zweig qui avait avorté. Fait que je l'ai récupéré, puis on l'avait nous ici en boutique, la Pressed Flowers, mais c'est un bain beaucoup plus clair. Ce que je fais, c'est que je l'utilise dans ma dentelle, le bain plus clair, puis lui il va plus avec mon mort. Ça paraît. Ouais, c'est vraiment fou. Mais c'est beau. Ben oui, puis tu sais, ça fait que la dentelle est plus accentuée. Ouais. Puis Gabrielle, on parle beaucoup de Gabrielle, mais c'est correct, elle parle souvent de nous, fait que c'est équitable. Ouais. Gabrielle, elle l'avait faite avec plusieurs couleurs, mais toutes doux puis harmonieuses. Ouais. Puis je me disais, ah, oh, je vais mettre ça la dentelle, même si ça tranche un peu, parce que j'avais juste on le voyait que c'était beau. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, mes projets en cours, hier, j'ai bloqué sous les ordres de Geneviève, parce que j'avais terminé mon empiècement, en tout cas le corps de mon Elton, que j'avais déjà commencé, que je sais pas si je vous avais montré, mais je pense que je l'avais montré. En Julie Asselin, la Nurtured Fine et la Anatolia. Puis. Les couleurs, tu te rappelles-tu c'est quoi encore? Fusion. Fusion, puis Kerava. Kerava, oui. C'est ça, puis il était vraiment
petit. Genre, je me disais, ben c'est pas grave, je vais donner à Clémence. Mais là, en même temps, j'étais rendue au manche, puis je me disais... Il y a 7 ans? Ouais. Puis je me disais, avant que ça me tente de reprendre les manches d'un chandail que je sais qu'il me fera pas, il s'en va dans un sac. Oui. Puis finalement, ben je lui ai dit, bloque le nom, tu vas voir. Fait qu'hier, je l'ai mis dans l'eau, je l'ai bloqué, puis comme agressivement, là, avec ben des pinouches, puis des peignes. C'est ça des le mot? Des peignes. C'est pas des tipeings, là. Non, des peignes. Ben, pinouches. Puis. C'est évident. Voyons. c'est ça. Puis finalement, je l'ai réessayé tantôt, puis il va être parfait. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis bien contente. J'ai fait hâte ce de que continuer. Je dis, mais pas ce que je fais. Hein? Ah, quand client, tu l'as pas bloqué. Oui. Comment tu l'as recris ça? Oui, mais tu l'as pas bloqué. Oui, quand mais les gens sont clients qu'on connaît bien. Sinon, ben. J'ai mon chandail en mohair noir qui finalement sera pas twisté dans le bas comme toute l'affaire qui était supposée, mais ça va être juste un genre de boxy noir avec du mohair que je vais vraiment beaucoup aimer avec des batwings que je vais venir serrer au poignet. Puis ça va ressembler à cette shape-là, mais en plus crop. Ouais, je vais bien l'aimer, je pense, finalement. Puis je monte tout, là, je suis comme une partie, go. Puis j'ai ressorti de mes boîtes de déménagement, ma boîte de projets en cours que j'avais un peu abandonné. Puis celui-là, c'en est un que j'avais... J'étais découragée. Je l'aime donc bien, le yoke. Les couleurs sont magnifiques. Je capote. Mais, mon Dieu, que ça tombe bas. Je dois avoir un row gauge qui n'a pas rapport. Même si je le sais qu'il est fait de même, mais ça doit être comme plus mon row gauge. Mais il est un peu plus... one show, le mien aussi. Dans le sens que si je lève les bras, mon chandail, tout il lève. Ah ouais, moi, ça va être ça. C'est l'enfer. Mais là, il est comme à moitié sur un câble, à moitié sur rien. Tu sais, ce qui va aider, c'est quand tu vas refaire ton encolure. Ouais. Ça va le remonter. Ouais. Puis là, je me suis dit, je vais faire les manches, parce que ça aussi, ça va changer l'aspect quand il va avoir le poids des manches. Et je vais les faire tout de suite, puis après ça, je vais finir le corps en me disant, ah, OK, ça va. Ouais, parce que si tu le voulais plus, d'après moi, t'as du monde dans ta famille qui le voulait. Ah, ouais. Genre, ça, c'est ma mère ou ma soeur. C'est clair. Ouais, vraiment. Mais puis, elle est vraiment confortable, là, la texture. Là. C'était de la amarrée. Ouais, c'est ça. Je l'avais-tu montré, là? Ouais. Ah! Pas sûr. Je sais pas, mais la amarrée, on a déjà parlé. On a déjà parlé, ouais. C'est une laine recyclée qui est faite en Italie. Ouais. Fait que c'est ça. Je finis des affaires. Yeah! On a un bon mojo de finir du stock. Moi, j'avais aucune énergie de, genre, partir des nouvelles affaires, ce qui arrive jamais, là. Je touche du bois. Non plus. Hey, pas de custom party depuis un méchant bout. C'est correct. On voulait vous parler de nos projets à venir aussi. Il y a deux choses qui démarrent très bientôt, qui vont finalement aller sur nos aiguilles. Il y a Andrea Murray qui fait un cal pour le Stone Crop. Mon nouveau chandail. Ouais, le pull ou le cardigan pour Rhinebeck, mais elle donne jusqu'au 2 novembre aussi pour le faire. Elle disait que tu es dans le meet and greet sur la colline là, à Rhinebeck. Je pense dans le groupe de discussion, ils disent que ceux qui le portent ou qui l'ont sur les aiguilles vont se rencontrer. Je ne suis pas sûre qu'on va y aller, mais on a toujours l'option, si on le porte cette journée-là, d'aller faire un coucou. J'avoue. Alors, on voulait vous montrer nos kits quand on a choisi pour le faire. Le cal commençait le 2 septembre, mais là, on va le commencer là, bientôt. Toi? Le crop? Ouais. Ben, si je veux peut-être l'avoir fini. Ouais, c'est ça. Pour Rhinebeck. Ouais, il faudrait que je le commence. Ben, si tu montres tes couleurs, je vais montrer. OK. Ben, je suis pas décidée encore, mais j'ai deux. En fait, on faisait juste regarder avec la Rainbow Beach qu'on vous montre là, dans le plateau. Puis finalement, mais j'avais des kits que j'aimais, mais rien que genre je me pouvais plus d'avoir hâte de commencer. Ce matin, Geneviève était comme j'ai comme eu un flash qu'on pouvait utiliser aussi deux autres kits. En tout cas, finalement, ça a comme ouvert la possibilité. Là, j'avais trop de plaisir de faire des nouveaux kits. Celle-là, qui est la Perth de Queensland, qui est la même compagnie que l'autre, mais c'est la chaussette avec du nylon, mais assez laineux. Là, c'est pas mérino. Non, c'est ça, pas mérino. Fait que ça va bien fonctionner. Puis moi, j'avais envie d'en faire une version vraiment rustique. Là. J'avais pas le goût d'un mérino. Fait que j'avais déjà décidé que ma couleur, ben, ma laine principale, ça serait la toucou. Fait que là, ces deux-là ensemble, ouais, qui sont vraiment belles ensemble, là, je les aime beaucoup. Fait que c'est soit ça, soit l'autre affaire. Ça, c'est la couleur que j'avais vraiment le goût d'utiliser, l'espèce de vert forêt vraiment profonde, la toucou qu'on vient de recevoir, qu'on n'avait pas avant, fait que j'avais le goût de la prendre. Puis la Debbie Bliss qu'on a ramassée... Une fin de ligne. Ouais, une fin de ligne. En tout cas, qui elle aussi, c'est ça, là, des dégradés, puis il y a du
marbré aussi. Puis là, ces deux-là ensemble, c'est comme vraiment plus mes couleurs. Fait que c'est vraiment le goût. Mais à chaque fois que je regarde les photos, ceux qui l'ont fait en pâle me font vraiment triper. Fait que là, tu fais un crop puis un cardigan. Mais tu ne le mettrais pas en cardigan. Ouais, je suis pas sûre. Et déjà que j'en fais un, je vais être bonne pour un bout avec les cardigans. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment fun. Moi, j'aime beaucoup ça en marine. Là, j'avais peut-être le goût de faire avec aussi une nouvelle couleur de tout court. C'est la couleur de Vini ou Tilly. Ils sont trop belles. C'est les deux nouvelles couleurs, on les aime. Puis peut-être avec ce rose-là. C'est vraiment beau. Moi, j'aime encore ça. Moi aussi. C'est vraiment, vraiment beau. Il y a des places où c'est peut-être un peu foncé sur foncé, mais pas tant que ça. Non, parce qu'il y a tout le temps le marbré pâle au travail. Sinon, j'aurais peut-être aimé ça, un genre de bleu, turquoise, vert. Mais j'avais de la misère à trouver quelque chose qui ressemblait à ça, qui n'était pas comme trop bleu, trop vert. Mm-hmm. J'aurais voulu qu'il soit un peu gris, tu sais, un peu sale. Ouais, pas turquoise clair. Non, c'est ça. Mais en tout cas, ça serait sinon parce qu'il est arrivé ça. Mais on dirait que si je veux un turquoise, là, je veux comme un corail pour faire le contraste. Un rose bonbon. Ouais, un rose bleu. Ouais, rose bleu. Un rose orangé, mettons. Sinon, j'aurais mis un fond orangé, jaune orangé. En tout cas, on a presque arrêté nos choix. Ça se peut faire des kits, là, ça peut durer 2 semaines. Mais, hein. Puis, je t'exagère pas. L'autre affaire qu'on veut commencer, puis qu'on a hâte qu'il parte. Moi, je le pars à tous les années, je le finis aucune année. Non, l'année passée, on n'a pas parti ni une là. Ah ouais, c'est vrai, l'année passée, je l'ai pas fait. Mais les autres années, on l'a fait plus souvent. Ouais. Moi, je finis tout le temps par le détricoter. En fait, l'erreur que je fais, c'est que j'ai beaucoup trop de plaisir à choisir des couleurs. J'aime vraiment beaucoup... Mais on parle... De... Ok, on va C'est local de... Peut-être qu'ils ont compris. Peut-être. Mais c'est local de Steven West. Puis, à chaque année, quand je vois les kits sortir, puis là, le monde choisir leur couleur, j'ai vraiment le goût. Mais j'ai tout le temps le goût, moi aussi, d'être comme, de sortir un peu de ma zone de confort, d'y aller dans quelque chose qui est comme un petit peu plus éclaté. Puis là, finalement, ça, je pense que c'est l'erreur que je fais. Parce que si je veux mettre un design qui est vraiment éclaté, puis qui est comme vraiment funky, je pense qu'il faudrait que je fasse des couleurs vraiment neutres. Cette année, c'est ça que je vais faire. Premièrement, ça m'a quand même parlé parce que c'est juste 2 couleurs, c'est pas comme 5. Fait que là, c'est déjà plus facile pour moi. Puis, ben, je m'étais dit que j'allais vraiment prendre des couleurs vraiment neutres. Puis là, tantôt, on a regardé. Puis là, j'ai découvert que ça allait être ça, mon kit. Fait que c'est la Urso Nu Raspberry Point. Puis la Wool Local que j'avais vraiment hâte de tricoter. Qui est un fil de Ilkanite. Puis là, ben, moi, je prends la Block qui est comme une petite brun, mais il y a du gris dedans quand même. Là. Ted. Puis là, ensemble, je vais capoter. Fait que moi, ça va être ça. Je suis bien contente. Puis moi, ça va sûrement. Je pense pas que je vais changer d'idée. Non, c'est vraiment le fun. Ça va être la Darnie avec la Girls Tweed. Les deux, c'est des Donegal faites en Irlande. Là. D'après moi, ils sont peut-être même faites au même moulin. Là. Et, un charcoal. Puis lui, c'est le même que j'avais mis dans mon Nordiska. Là. C'est un beige gris avec des speckles. Beige, crème, puis charcoal. Brun. Il y en a des bruns. Puis brun. Puis brun. Puis caramel. Ouais, c'est assez précis. Mais là, je suis contente. Fait que je pense que ça va être ça. On en a assez. Puis la dernière, je l'avais mis dans mon rosier. Qui est blanc aussi. Ouais, il est vraiment. Ça, c'est laine d'agneau. C'est assez doux. Ça, ben. Il dit, mais pas... il est vraiment doux, un coup bloqué. Ouais. Mon Charles, il est vraiment doux. La seule affaire qui est différente, c'est que ça, c'est plié, puis ça, c'est un fil mèche. En théorie, ça, c'est sport, ça, c'est fingering, mais ça va tout marcher. Vraiment, je suis pas inquiète. D'ailleurs, on dit souvent ça, à des clientes de ne pas hésiter, surtout dans des chars, mais même dans des chandails, si c'est tricoté sur un échantillon moindrement souple, de prendre des fils un brin, puis des fils deux brins, puis trois brins ensemble. Avant que ça fasse un... Si c'est du jersey ou du point mousse ou des textures comme ça, ça changera pas beaucoup. Non. Tu sais, s'il y avait, mettons, une dentelle vraiment particulière, des torsades, là, de toute façon, il y aurait probablement pas plusieurs couleurs, c'est plusieurs tout. Textures, mais sinon, dans un char, là. Dans un char. C'est tellement drapé que ça paraît pas. Souvent, on le montre, puis les gens ne voient même pas que dans un char, on a utilisé des bases vraiment différentes. Ouais. Fait que ça va être le fun, on vous montrera nos progrès. Le Charles de Steven West commence le 4 octobre, puis c'est un indice, c'est un mystery cal, fait que c'est un cal mystère avec un indice par semaine pendant 4 semaines. C'est vraiment fun sur ça. Ouais, moi je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est vrai que les fois où j'ai pris des couleurs qui étaient moins mon style, j'ai fini par les donner. Il y en a un que c'est mon amoureux qui porte tout le temps. Ouais. Puis l'autre, j'ai donné à la blonde à mon père, puis elle porte vraiment beaucoup aussi.
Mm. Tant mieux. Mais c'est le fun à faire. Oui. J'aime l'élément de surprise. Ouais. Ouais. Souvent, ils nous amènent dans des directions qu'on ne voit pas venir. Oui, c'est vraiment des vrais mystères. Mystères, oui. Ça, c'est le fun. Okay. Donc, c'est tout pour l'épisode 10 de Pompon. On se revoit dans à peu près un mois. Ben oui. Probablement. À peu près. On pourrait dire après Rhinebeck, ça serait le fun. Oui, plus qu'avant. Oui, c'est ça. Ouais. On va avoir plus de choses à vous compter puis à vous présenter. Ça sent bien. Excitant. Ceux qui vont à Rhinebeck, vous pouvez venir nous faire un coucou si on se croise. Il y a beaucoup de monde, là. Vous allez voir. Okay. Oui, bonne chance. Mais bon. Ben, on finit par croiser du monde des fois qu'on connaît. Là. Oui. Que, on se voit bientôt. Puis au plaisir. Bon tricot, bon crochet. Bye!